Pour débuter ce concert, l'orchestre, accompagné de la batterie, vous a interprété Atlantique Ouverture de Thierry Delerueil, compositeur, chef d'orchestre et percussionniste de notre région, puisqu'il est originaire d'Arras. La pièce qui suit a été écrite par Paul Creston, compositeur né à New York en 1906. Il a étudié le piano, l'orgue, mais reste autodidacte dans la composition. Il a composé concertino pour marimba et orchestre en 1940. Pour interpréter cette pièce, nous avons l'immense plaisir de recevoir M. Jean-François Durez. Originaire de Saint-Amand-les-Eaux, il débute la percussion et le piano dans l'école municipale de sa ville, puis au conservatoire de Valenciennes et de Créteil. Après de brillantes études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, il en obtient le premier prix. Jean-François Durez est un musicien éclectique possédant de nombreuses cordes à son arc. À l'issue de concours, il est engagé comme percussionniste solo de l'Orchestre des Concerts Lamoureux et de l'Orchestre de la Garde Républicaine. Il se produit également en tant que soliste, accompagné par de prestigieuses formations telles que l'Ensemble Orchestral de Paris, l'Orchestre National de Lille, l'Orchestre du Capitole de Toulouse et bien d'autres. Il est régulièrement sollicité pour accompagner des artistes de variété sur scène ou en studio et également dans de nombreuses comédies musicales. Il participe à des projets jazz. Musicien passionné, Jean-François Durez est constamment à la recherche de belles rencontres dans différents univers artistiques. Nous avons l'immense plaisir et l'honneur aujourd'hui de le recevoir. Voici Concertino pour marimba et orchestre de Paul Creston, le tout sous la direction de Ludovic Hedquin, directeur de cette formation. Thank you.